L'hélicoptère de la sécurité civile de Corse du Sud sera maintenu. Laurent Marcangeli et les deux autres députés UMP de Corse viennent d'en avoir la confirmation dans une lettre du ministre de l'Intérieur. Satisfait parce que le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, nous a assuré que les dragons qui interviennent chaque année à près de 1000 reprises pour sauver des gens sur notre île ne seront pas supprimés, contrairement à ce qu'on aurait pu croire. Et c'est une bonne nouvelle parce que notre île, elle a besoin d'avoir un service public de sécurité assuré. En janvier, les personnels navigants s'inquiétaient de l'éventuelle disparition d'une des deux bases de sécurité civile en Corse. Mais déjà, le préfet se montrait rassurant. En Corse, nous avons la chance d'avoir des moyens aériens pérennes, permanents, qui assurent une mission qu'en tant que préfet chargé de l'organisation des opérations de secours, je considère comme nécessaire. Et à ce stade, pour le moment, il n'y a pas de réflexion sur la remise en cause de ces moyens ici en Corse du Sud. Le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, écrit d'ailleurs dans sa lettre qu'il n'était pas envisagé de revenir sur les implantations d'hélicoptères en Corse.